monstrueux, t'es trop beau. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots tellement je kiffe. Ça fait tellement toute la différence sur le bardage noir et tout, c'est trop trop beau. Ça va être trop trop beau. Oh. Je pense que cette journée va tout changer à mon avis. Là du coup aujourd'hui, je sais pas quoi faire en fait, parce qu'à la fois, aujourd'hui ils annoncent à peu près beau alors qu'ils annonçaient dégueulasse. Sauf qu'ils annoncent une tempête pour demain, apparemment ils défendent 130 km/h. Et du coup, je m'étais dit qu'est-ce que je fais, soit je couche les palmiers pour pas qu'ils tombent, soit je les plante mais j'ai peur qu'ils tombent, du moins ils bougeront peut-être, ça c'est sûr. Ou alors je me mets sur autre chose. Le problème c'est que cette nuit il a plu, mais en toute la nuit, pour ça que c'est la gadoue partout. Et la piscine c'est rempli, donc là depuis ce matin je suis en train de la vider. Enfin c'est rempli, peut-être pas exagéré, mais il y avait bien 30 cm, 40 cm d'eau. Et j'ai peur qu'en fait il y ait de la terre qui est glissée sous le bidim. Donc je pense qu'il va falloir que je fasse quelques rattrapages. Là je peux pas avancer la piscine tant que c'est pas sec. Je suis dégoûté. La météo se met contre moi. Alors soit c'est soit la météo veut pas que je quitte ce chantier, je sais pas. Soit elle m'en veut, j'ai dû faire quelque chose de mal, mais j'ai pas ce chantier il aurait vraiment été difficile avec la météo, mais bon. Le principal c'est que je m'en sorte. Au moins les plantes manqueront pas d'eau. Et puis voilà. Il y en a tellement partout que je sais même pas par où commencer. Je pense que comme cette zone elle est dégagée, je vais planter deux Livingstonia, un ici, un vers le milieu. Donc ouais, je vais m'atteler à ça ce matin. Allez, c'est parti. Bon, moment de vérité, je suis grave stressé, je suis pas bien. Là c'est le moment de passer en fait le gros Livingstonia à son emplacement. Le souci c'est que comme j'ai fait la piscine, j'ai réfléchi à toutes les solutions possibles, mais c'est impossible de le passer autour de la piscine. Donc en fait la seule solution que j'ai trouvée c'est de le passer par-dessus de la clôture, parce qu'ici j'ai le moyen d'avoir accès et après de le tirer dans son trou. Mais le passage au-dessus de la clôture me fait peur, surtout que là je l'ai soulevé et la sangle elle a pété. Donc je me dis, si ça lâche au-dessus de la clôture, je suis mort. Il est passé les gars, il est passé.
Ce qui était à prévoir est arrivé. Là, on arrive au mois d'octobre. Ça fait tout juste 3 mois que j'ai commencé le chantier. Je m'étais fixé 3 mois, donc là forcément je vais avoir un peu de retard, mais avec toutes les intempéries, la canicule et tout ça, c'était un petit peu à prévoir. Là vendredi, samedi, c'est vraiment le déluge, on s'est tapé une tempête, en plus il y a des arbres qui se sont penchés, enfin bref, c'était un peu la galère et c'est surtout la gadoue par endroit dans le jardin. Il y a 30-40 cm de gadoue, on peut pas marcher, on s'enfonce. C'est vraiment une horreur. En plus j'ai loué le Manitou et la mini pelle, sauf que je peux pas vraiment m'en servir parce que je défonce tout. Enfin le terrain ça devient vraiment de la gadoue, donc je fais plus de mal qu'autre chose. Ceci dit, fin de la semaine dernière, j'ai quand même terminé d'avancer sur le positionnement des dernières plantes. Là le Yucca qui est derrière moi et le reste des Livistonia Decora que j'ai. Enfin j'ai terminé de planter les gros sujets et j'ai aussi terminé d'emmener tous les gros rochers sur la zone plage là-bas. Je suis revenu samedi pour travailler pour positionner la paillote parce que je pouvais avoir de la main d'œuvre et des bras samedi. Sauf que samedi il a plu littéralement toute la journée. Donc là aujourd'hui ce matin je me suis mis sur la paillote. Je suis quand même content parce que ça avance. Là on commence vraiment à avoir une petite avancée. Ce qui m'inquiète c'est vraiment le temps, parce que la piscine il va falloir que je fasse la résine, et tant qu'il fait pas beau, tant qu'il fait pas sec, je pourrais pas faire la résine et ça va me reculer parce qu'il faut que je positionne les rochers dans la piscine. Enfin bref, tout va se déclencher à partir du moment où que la piscine sera faite, du moins quand la base sera mise, et pour l'instant je sais pas du tout quand je vais pouvoir la mettre. Donc aujourd'hui je vais me concentrer sur la paillote, sur le toit de la paillote, et je vais essayer de la positionner. Là ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fixé les grilles sur la bâche. Donc en fait, je me suis servi de petites attaches qui servent à la base pour fixer les tuyaux de cuivre dans les maisons, les canalisations de radiateurs et tout ça. Moi, je m'en suis servi pour faire des petites accroches que je suis venu, en fait, je suis venu faire 2 points de silicone et de mastic, et je suis venu fixer ça par-dessus avec des vis de façon à ce que ça soit logiquement étanche pour pas qu'il y ait d'eau qui passe à travers. Sachant qu'après, vendredi, j'ai reçu enfin, alors là-bas j'étais parti sur de la brande pour parce que voilà, c'est ça, ce genre de produit c'est assez difficile à trouver en bonne épaisseur, c'est-à-dire que la brande ça fait en moyenne 6-10 cm, donc c'est relativement facile à trouver. Mais ça s'appelle du paillasson de Camargue je crois, et j'ai réussi à en trouver du coup en faisant venir, et c'est ça qui va venir recouvrir et faire la finition du toit de la paillote. Je suis assez content parce que je pense que le résultat va être mieux que de la brande, et ça en fait je vais venir le fixer avec du fil de fer comme ceci, donc c'est du fil de grillage. Je vais venir faire des U que je vais venir tresser et fixer sur la structure en acier. C'est beau, mais... Explain it all, good love, it just feels right. Oh baby.
un bel enfant. Ok, les plantes. Attention, c'est terminé. Trop beau. Ouais, là, j'avoue, ça fait vraiment. Jungle. Ça fait jungle, hein. C'est vraiment stylé. L'année prochaine, je pense que. Quand il y aura les bananiers de pousser. Non, c'est beau, hein. La belle plante, grande. Beau jardin. T'imagines l'année prochaine, là, petite plage. La cliente dans son transat dans l'eau, là. En toutes les cigales. Ça va venir. C'est vrai que les plantations, ça change vraiment tout quand même. Ouais, ça refait. Hein. Bon, deuxième essai. Le premier, il avait été super concluant parce qu'en fait, le Manitou, il est trop court. Il me manquait 50 cm. Et j'ai pas voulu prendre plus de risques que ça, surtout qu'en fait le terrain de l'autre côté était vraiment super gadoueux, donc j'ai attendu 2 jours que ça sèche. Là c'est déjà vachement plus sec, donc le Manitou va moins s'enliser parce que c'était vraiment trop risqué. Et de toute façon j'avais un souci, c'est que comme il était trop court, il me manquait 50 cm. Donc ce que j'ai fait, plutôt que d'attendre et de relouer un Manitou, de trouver une solution intermédiaire, j'ai utilisé les traverses. Qui vont me servir en fait pour toute l'allée, enfin l'allée qui va mener sur la zone parking, les traverses que j'avais stockées dans le fond, j'en ai utilisé quelques-unes pour me faire un genre de rampe de façon à pouvoir en fait passer par-dessus le mur, parce qu'avec les roues j'étais bloqué au niveau du mur de la clôture. Donc là en fait j'ai fait vraiment une rampe pour passer par-dessus le mur, ce qui fait que je vais pouvoir au moins faire dépasser les roues et gagner en fait la distance qui me manquait. Donc j'espère que ça va le faire, je vais le savoir tout de suite. Bon allez, c'est parti, deuxième essai. Qui a fixé les poteaux. Ah putain, c'est cool. Aujourd'hui c'est un jour super important, là ça fait quelques jours qu'il faisait vraiment dégueulasse, donc j'ai pas pu trop avancer sur le chantier. Mais j'ai quand même avancé sur tout ce qu'il y avait autour, le positionnement des pierres, la mise en place de la paillote et le positionnement de la bâche EPDM de la piscine. Donc je suis content parce que on commence vraiment à voir à quoi ça va ressembler. Donc là j'attendais vraiment qu'il fasse beau pour que l'EPDM sèche et que je pose les pierres, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. En plus c'est le dernier jour que j'ai les engins, donc faut que j'en profite. Il y a quand même des sacrés engins, genre ça doit bien peser à mon avis 300-400 kg, et c'est des pierres comme ça que je vais venir positionner des endroits un peu stratégiques et esthétiques que j'ai déjà en tête. Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais couper des morceaux de PDM qui me restent, parce que forcément j'ai pas mal de chutes vu que c'était une bâche en rectangle et que y a eu beaucoup d'arrondis, donc j'ai pas mal de chutes que je vais repositionner en fait par-dessus le PDM principal, et je vais venir positionner mes pierres, ce qui fait que ça fait une double couche de PDM. Faut savoir que le PDM c'est un plastique en caoutchouc, un peu c'est comme du pneu, c'est très 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 résistant, donc il va falloir quand même que je fasse attention quand je vais poser les pierres, mais logiquement ça devrait le faire. Tout est sec. Il fait beau, le soleil arrive, c'est parti.
je suis en train de mettre les plus belles pierres, les plus grosses, donc je veux qu'elles soient en surface et autour quand même, à des points stratégiques. Je vais la mettre là. Là, il y en a tellement partout que j'arrive plus à m'en sortir, je tape dans les pierres de partout. Donc ça y est, là j'ai terminé de positionner les grosses pierres dans la piscine, je suis content, ça s'est plutôt bien passé, même si je me suis fait une frayeur à un moment donné parce que j'en ai porté une tout seul et elle a failli me retomber, enfin m'est tombée sur les genoux dans la pente. Il y en aura plein d'autres après dans la piscine, mais en fait c'est toutes les pierres de plus de 100 kg je crois qu'il faut mettre avant la première couche de résine, et les pierres qui font moins de 100 kg, faut les rajouter pendant qu'on coule la résine. Donc c'est pour ça que j'ai gardé toutes les petites pierres que je viendrai positionner en fait quand je coulerai la résine. Donc ça y est, j'ai réussi à les positionner dans l'ensemble, donc je suis plutôt content. Et du coup, comme je rends les engins ce soir, je voulais absolument terminer de... parce qu'en fait tous les massifs sont plantés, tous les arbres sont plantés, à part tout le massif ici qui vient séparer en fait l'allée pelouse de la piscine. Donc là, ce que je vais faire maintenant que j'ai remis au propre, je vais planter, j'ai un gros cycas encore à planter, je vais planter toutes les plantes qui me restent, parce que j'en ai marre de les voir dans le champ là, il y en a qui sont en racines nues en plus, donc c'est pas terrible, et puis j'aurais bien avancé quand même aujourd'hui. Mais là ça me fait peur parce que le temps menace, et s'il pleut, bah il pleut quoi. Il y a vraiment un peu de tout, des plantes de taille, des plantes hautes, des plantes basses, des semi, des plantes de mi-hauteur. Donc, il faut que je trouve le juste milieu, parce que là par exemple je voulais mettre le dasylerion ici, mais je voulais aussi mettre les aspidistra qui sont des plantes basses. Donc en fait ça va pas pouvoir se faire parce que le dasylerion il va prendre de l'ampleur. Donc je me dis qu'il faudrait peut-être finalement quelque chose de plus haut, et je pense que je vais mettre le yucca de la cliente qu'elle avait. Comme ça, ça fera un yucca grand, un moyen et le double là-bas, ça va être stylé je pense. Je pense que je vais faire ça. Mmh.
been walk walking through the valley of the shadows. I let them tell me who I was. I've been talking myself up onto the gallows. Every time I tried to walk away, I couldn't make it through another day. And they don't see me being up in a field battle. I was trying to make it on my own, my way. You were knocking on the door that I've been looking for. It was right in front of me. I was lost, but now I'm free. And I was blind, but now I see that you're lost. Là du coup je vais mettre la contre-bride, j'ai le joint en caoutchouc qui est fixé dessus, qui va venir se fixer sur l'avant. Donc là c'est le plus important parce que j'ai l'étanchéité. Ici j'ai le skimmer qui est juste derrière. Donc là on peut voir qu'il y a déjà le joint qui est collé dessus. Moi le but ça va être de venir fixer ça et ça va venir en fait se serrer. Il y a aussi un joint qui est collé dessus, donc des deux côtés. Et ça va être de retrouver les trous pour venir fixer et faire l'étanchéité de l'EPDM avec le skimmer quoi. Tuyauterie. Donc au programme j'ai pris une bombe. En fait ce qui va se passer c'est que j'ai 12 petits jets comme ceci. Ça c'est ce qui va venir faire envoyer l'eau propre qui sortira directement de la pompe. Donc c'est des petits jets comme ça. J'en ai 12 à mettre comme ça je crois. J'ai deux jets d'hydromassage. Donc ça va venir sur la partie banc. Donc ça va envoyer l'air et puis ça va envoyer l'eau, puis il y a de l'air qui va venir accompagner l'eau, ce qui fait que ça va faire un truc un petit peu de massage. Ça a l'air assez cool, je savais même pas que j'en avais compris dans le kit. Et après j'ai aussi toute la partie aérothérapie avec ce système. Donc c'est ça, c'est pareil, c'est le PDM. Là on a des petites buses qui vont venir faire sortir l'air. Et après j'ai tous mes tuyaux qui vont venir directement se brancher là-dessus. Donc là je vais faire des marques avec
la bombe pour disposer, pour me faire des repères où est-ce que je vais venir fixer les buses. Après, poser toute la tuyauterie, venir se brancher au skimmer. Il y a du boulot, il fait beau, c'est parti. Le but, ça va être de cacher les jets un maximum, surtout au niveau des pierres, de façon à ce que ça soit le plus discret possible. Donc là, 1, 2, 3. Il faut aussi faire attention parce qu'il faut faire en sorte que ça fasse pas des contre-courants, parce que le but, c'est que l'eau aille quand même dans les skimmers et que la surface de l'eau soit amenée à aller dans les skimmers. Pareil pour le fond, ça, le but, c'est que l'eau qui est au fond, il n'y ait pas d'endroit où il y a d'eau stagnante. Donc c'est vraiment très... Enfin, faut vraiment bien réfléchir où on les positionne. Donc là, 1, 2, 3... C'est le retour du bonnet. J'ai abandonné la casquette parce que ce matin 6 degrés, on est passé de l'hiver à de l'été et de la canicule à l'hiver en 2 semaines, 3 semaines. Tu veux faire de la mini pelle? Tu veux faire de la mini pelle? Allez, ça y est. Ah, ça fait plaisir, j'ai bien avancé aujourd'hui, je suis content. Des journées comme ça, ça fait plaisir. Vraiment trop stylé. Du coup, demain, positionnement du grillage. Et une fois que le grillage sera mis, il n'y aura plus qu'à couler la résine. Il reste encore du taf, hein. Première couche de résine, deuxième couche de résine. Mais bon, on est lundi. Si le temps se tient, la piscine peut être finie en fin de semaine. Mais bon, on va partir sur un truc en se disant qu'elle va pas être finie fin de semaine, parce que vu que j'arrive jamais à tenir mes délais. Mais là, franchement, je suis content. We'll be right back.
la météo cette vidéo à chaque fois, mais...